Israël. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Voilà, encore un Shabbat qui vient de passer. Le Shabbat Shemini, celui qui suit Pessah. Un Shabbat particulier, parce que c'est une paracha où on nous parle des règles de la cacheroute, des animaux que l'on peut consommer et de ceux que l'on ne peut pas consommer. Et puis il y a aussi les Pirkei Avot, que l'on a commencé ce Shabbat. Les Pirkei Avot, c'est manifestement un traité, le seul traité de la Mishnah qui ne soit pas un traité de la Halakha. Un traité de bon comportement. On nous apprend comment bien nous comporter en toutes circonstances. On nous apprend à respecter l'autre. On nous apprend que la Torah nous a été donnée au Sinaï il y a plus de 3300 ans. Et on nous apprend aussi à vivre en communauté. Si je le dis, c'est parce que quelquefois, par oubli ou par inadvertance, d'aucuns postent des messages pendant Shabbat ou pendant les jours de fête sur des groupes communautaires. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire. Et donc, peut-être faudrait-il penser à se rappeler que c'est Shabbat. Et que justement, les téléphones doivent être débranchés. Et qu'on se doit de respecter le Shabbat. Et de respecter ceux qui respectent le Shabbat. Et de respecter le Créateur du monde. Et de respecter le confinement. Bref, un juif vit dans le respect permanent de l'autre et de soi-même. Au quotidien. Car justement, respecter Shabbat, respecter la cacheroute, c'est se respecter soi-même. D'ailleurs, quand on parle de cacher, ça veut dire tout simplement quelque chose qui est apte, propre, convenable. Alors, on dit les règles de la cacheroute pour les règles alimentaires, mais il y a aussi la cacheroute du vêtement, il y a la cacheroute de l'attitude, et la cacheroute de la parole. En bref, être un juif, c'est être cachère dans toute son existence. C'est difficile, me direz-vous. Eh oui, mais être juif, ce n'est pas facile, mais c'est un beau défi. Et si on réussit ce challenge, alors quelle joie, quelle gloire, quel honneur. La Gemara dans Souka rapporte l'épisode suivant. Qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, le Seigneur Tzatzil, prendra le Yetzer Hara, le mauvais penchant, et l'égorgera, devant les tzadikim et devant les rechaim, devant les justes et devant les impies. Les uns et les autres vont pleurer. La Gemara se étonne, dit, bon, je comprends que les uns et les autres puissent pleurer, mais pourquoi est-ce qu'ils vont pleurer? Quelle est la différence? Quel est le sens de ces pleurs? Pour les rechaim, pour les impies, ils vont pleurer parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, va leur apparaître comme un petit cours d'eau qu'ils auraient facilement pu enjamber. Pour les tzadikim, pour les justes, ils vont pleurer parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, va leur apparaître comme une haute montagne qu'ils ont réussi à escalader, un peu comme ceux qui ont gravi l'Arnest ou la Napurna. Et puis, en réalité, on se rend compte que quand on réussit quelque chose et que derrière, on le voit derrière soi, on se dit « waouh ! J'ai réussi, j'ai gravi ce sommet. » Et quand on échoue, on s'est dit, mais quoi, mais en fait, c'était misérable, c'était rien. J'aurais pas facilement pu le faire. Eh bien, plaçons-nous dans une optique de vainqueur, de gens qui veulent aller de l'avant. Décidons de respecter le Shabbat. Décidons de faire en sorte que le Shabbat qui vienne, eh bien, les sites communautaires soient shéketim, silencieux, que l'on n'entende plus rien et que l'on garde ses états d'âme pour après Shabbat, que peut-être que la réflexion que le Shabbat va induire va faire en sorte qu'on se dira ben finalement, c'était pas nécessaire. Voilà, c'était le petit message de Motzei Shabbat. Confinement jour 32, une bonne semaine, pleine de santé pour chacun d'entre nous, pleine de réflexion et surtout pleine de bonnes décisions. À bientôt. Ashir b'misharim, Ashir b'misharim, Echir, Echir.
Jesus.